Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lab as Code. Je suis Niels et les vidéos Lab as Code, le principe, c'est que on fait nous-mêmes un labo réseau en infrastructure as Code. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais j'ose espérer que ça va pas tarder. Je suis à peu près dans les temps, ce qui est pas souvent évident le jeudi soir, mais je suis content, aujourd'hui c'est bon. Je cherchais, qu'est-ce que j'ai fait de... Non, pas ça, ça. Super, c'est là. Hop. Alors, j'ai mon retour vidéo, je sais pas si le son est bon de votre côté. En tout cas, de mon côté, je vois le petit vue-mètre s'afficher correctement. D'ailleurs, salut Xiongji Wang. Vu que t'es le premier à avoir fait coucou. Alors, voilà. Tout est prêt. Presque. Tac. Et ça, c'est bon. Génial. Alors, donc, le principe, oui, à la base, le principe de ces vidéos Lab as Code, c'est de créer un laboratoire, un environnement de maquette pour faire des essais réseau, système. Et idéalement, cet environnement, le but, c'est qu'il reproduise à petite échelle le fonctionnement de l'internet convivial et mondial. Salut à toi Manon, bienvenue. Et donc on fait ça avec des outils d'infrastructure as code parce que ça permet de pouvoir déployer, redéployer, détruire et encore redéployer la même plateforme. Et en fait j'avais déjà fait une plateforme similaire avec entre guillemets à la minine. Et Non, je ne vais pas révolutionner l'internet mondial, Manon. Je disais juste qu'on essayait de faire un truc qui ressemble à l'internet, enfin une petite partie de l'internet mondial et convivial. Une façon détournée de dire on met 6 pauvres routeurs avec du BGP en fait, hein, on va pas se mentir. Ça reste de la maquette, hein. Et je n'ai pas la folie des grandeurs au point de vouloir révolutionner l'internet mondial. D'autres s'en chargent à ma place. Puisqu'on parle de maquette et histoire d'éviter tout, histoire de faciliter la vie et d'éviter tout malentendu, hop, voici le schéma qui est censé représenter pour le moment là où on en est à peu près. C'est-à-dire qu'on a donc nos 6 routeurs de bordure qui représentent en fait nos 6 fournisseurs d'accès internet fictifs. Il manque une flèche pour dire vous êtes ici. Effectivement. Alors nous, écoute, je vais faire hop, petit bonhomme, voilà, hop, petit bonhomme, et le petit bonhomme, il vient ici avec la petite flèche. Hop, il vient par là, la petite flèche. Et nous, on est là, voilà. On est là, au niveau de ce routeur. Alors pourquoi est-ce que je nous positionne au niveau de ce routeur? Eh bien, c'est parce que en fait, tout ça c'est virtuel. Mais à un moment, il faut être sur une machine physique. Et donc la machine physique jusqu'à maintenant, c'était cette machine de stream. Et cette machine de stream, sur laquelle j'ai installé une solution de virtualisation, qui avait Libvirt, elle fait aussi routeur NAT pour que tout notre petit lab puisse sortir sur Internet. Sortir, pas forcément être accédé depuis Internet. Encore qu'il y aurait des moyens. On pourrait peut-être l'envisager un de ces jours, pour le LOL. Mais vu la bêtise déjà que j'ai fait la semaine dernière, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Mais je vais y revenir. Donc notre fort sympathique maquette, en fait, là, ce routeur-là, c'est l'hyperviseur. On a ici le réseau par défaut de la solution qu'a VM Libvirt. Et ensuite,
on a tout un tas de réseaux virtuels avec des machines virtuelles qui sont donc soit des routeurs, soit des serveurs virtuels qui fournissent ou pas un service. Pour le moment, les seules machines qui fournissent réellement un service, ce sont ces deux-là, qui font office de DNS. L'idée, c'est d'avoir des DNS qui vont faire à la fois cache et forwarder pour pouvoir sortir sur Internet sans aller taper les DNS, entre guillemets, les DNS sur Internet. Et aussi pour pouvoir faire des ajouts manuels, des ajouts personnalisés. Si on veut mettre www.example.com et le faire pointer, par exemple, sur une machine de la maquette, c'est mieux qu'on ait le contrôle des DNS, tout simplement. Et pour le moment, les autres machines, tous les petits VPS là, qui sont indiqués comme étant VPS quelque chose, il y a juste du SSH dessus. Et juste un petit bonus sur celle-ci où il y a Ansible, puisque ensuite on espère pouvoir monter d'autres services ou reconfigurer correctement les DNS, par exemple, à l'aide d'Ansible. Je sais pas si on le fera d'ici cet été, enfin d'ici la fin de l'été, j'aimerais bien, mais dans l'immédiat, on est quand même pas mal sur du Terraform et du CloudInit. La semaine dernière, j'espérais passer de ma machine de stream à une autre machine pour continuer à développer ce lab, parce que bah, je commence à être limite en termes de mémoire vive, peut-être aussi en termes de processeur d'ailleurs. Et donc, je me disais que ce serait pas mal de profiter de la machine d'origine sur laquelle j'avais monté le premier home lab, entre guillemets, et bah pour en profiter, parce que voilà, il y a plus de RAM, il y a plus de processeurs physiques dessus, donc bah, autant en profiter. Alors la problématique que j'ai, c'est l'une des problématiques que j'ai, c'est la température. J'ose espérer que la machine ne chauffera pas trop. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de l'utiliser. Sauf que voilà, la semaine dernière, je crois qu'on avait fait d'autres trucs, on avait eu un autre souci, qui est des fois certaines machines qui pop un peu trop vite par rapport à d'autres, et qui donc n'arrivent pas à accéder à Internet à ce moment-là, et à activer 2-3 trucs au niveau de CloudInit. Je crois qu'aujourd'hui, il reste juste les machines ISP5 et ISP4, donc on pourra peut-être essayer de résoudre ça après. Mais déjà, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, entre guillemets, déplacer le lab. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que tout un chacun puisse, à l'aide du code qui est dispo sur GitHub, parce que oui, tout ça, je vais vous donner le lien après, tout ça, c'est dispo sur GitHub, j'aimerais que chacun et chacune puisse, lui ou elle-même, lancer ça sur son ordinateur sous Linux, et en profiter aussi, et se monter sa propre instance du Lab as Code. Salut à toi, Cogito. Bienvenue, bonsoir à toi. Je sais pas si tu es un habitué et juste tu viens nous faire un petit coucou pour la première fois. Donc si jamais tu as un peu de mal à suivre, n'hésite pas à le dire. Ceci étant dit, on va peut-être s'y mettre, hein. Alors, j'avais commencé à essayer 2-3 bricoles parce que je me suis dit, ouais, bon, déplacer tout ça, c'est quoi, allez, 3 pauvres lignes à changer et puis emballer, c'est pesé. Et en fait, je me rends compte que je voulais aussi vous parler d'un autre truc, donc je vais m'interrompre tout de suite. La semaine dernière, d'ailleurs, il faut que je vous montre le code, hop là, allez, hop, direction GitHub, hop, et le lab as code, t'es où? Hop, t'es là. Je vais vous le mettre dans, bien entendu, dans le chat, et je vais aussi le rajouter, comme à mon habitude, dans le chat, les liens du live, qui se trouvent sur mon Discord, et dont je fais la pub ici. Hop là, comme ça, vous pouvez voir le code dans sa beauté. Après tout, le code est libre, le code est beau. Oui, j'ai mis une licence BSD3 close, donc c'est... plus open bar, c'est la WTFPL, hein, honnêtement. Question, tu utilises tout ça? Alors, ce code-là, non. Ce code-là, c'est du pur hobby. Je n'utilise pas cette maquette dans le cadre professionnel. Il m'arrive d'utiliser Terraform dans le cadre professionnel. Mais en ce moment, je fais pas grand chose de fou avec Terraform. Et CloudInit, vraiment, vraiment quasiment pas. CloudInit est utilisé, mais la partie CloudInit, j'y touche pas, honnêtement.
Elle est en place, elle n'a pas besoin de bouger. En tout cas, à mon niveau, là où j'en suis sur la partie professionnelle, c'est voilà, je fais un peu de terraform de temps en temps, mais pas en environnement KVM Libvirt. Donc, oui, la semaine dernière, j'ai fait une grosse bêtise. Alors, je sais plus qui me l'avait signalé dans le chat, mais on me l'avait signalé dans le chat. J'avais fait une grosse bêtise. Hop là. Alors, est-ce que je peux aller jeter un œil d'ailleurs sur le live de la semaine dernière? Hop là. À Decathlon, ils font du terraform parce que Decathlon font de la terre. pas mal Manon, bravo. Comme toujours, Manon, notre experte. Félicitations. Elle est pas mal, ça, elle est bien trouvée. Elle est bien trouvée. Je sais pas si c'est encore leur slogan à Decathlon, à fond la forme. Je sais pas du tout. Je sais que je fais un peu de sport, mais j'en suis pas à ce point-là. Allez, à ton tour d'avoir honte, dis-nous ce que tu as fait. Bon, en même temps, la honte, je l'ai fait la semaine dernière, devant tout le monde. Et si je veux bien aller chercher d'ailleurs là, alors, vidéo, hop. Vidéo, la semaine dernière, la base code. Hop. Toi, tu fais les blagues pourries. T'étais pas là et t'as pas vu le replay. Alors, à quel moment est-ce que j'ai fait ça? Pop, 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 pam. Hop là. Ouais, j'ai fait ça. Ouais. J'ai fait ça, grosso modo. Hop. D'ailleurs, je vais me mettre ça en pause, là. Et je vais vous le remontrer, parce que je suis comme ça. Voilà. Je vous le montre. Hop, voilà. Voilà. Comme je suis un gros goret, j'ai généré une clé SSH, la clé privée, la clé publique. Je les montre devant tout le monde. Hop, elle a disparu. Je vais reculer à nouveau. Hop. Voilà, je génère ma clé, alors au passage, hop, un petit quelqu'un qui me fait un petit follow à ce moment-là, mais surtout, voilà, je génère mes clés et ensuite je vous les montre. Donc déjà, première bêtise, c'est mal, mais je génère des clés juste pour l'occasion, donc à la limite c'est moins grave, parce que j'ai pas l'intention de les utiliser en prod. Enfin, quand je dis en prod, c'est-à-dire à titre personnel, pour de la production personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Donc, voilà. Allez hop. YOLO la private key. Et ensuite YOLO la public key, ça on s'en fiche. Mais YOLO quand même la private key. Et alors, là où ça devient encore plus drôle, c'est est-ce que je la montre à un moment? Ouais, je la mets ici, vous voyez? Je la mets directement dans le fichier de config cloud init, comme ça, en mode vraiment YOLO, sur un des VPS, ben sur celui sur lequel il y a Ansible, et ensuite, allez hop, la private key, la public key, allez hop, c'est parti, on s'en fiche, hein. Et un peu plus tard, je commit tout ça, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, à quel moment je commit tout ça, mais je peux vous montrer, puisque ensuite, hop, alors, on peut aller regarder dans l'history. Attends, je vais peut-être grossir un peu le texte pour que vous puissiez voir. Hop là. Voilà. Et si je fais ici, j'ai mis, alors, add easy access. Et j'ai donc indiqué, ouais, bon, je sais, il y a une clé privée, mais c'est juste un lab, ça ne devrait pas être exposé sur Internet. Et donc, si je vous montre le commit, voilà. Donc, il y a là, voilà, c'est là. Voilà, YOLO la private key. Et donc après ce petit YOLO la private key, comme je ne regarde pas mes mails pendant le stream, j'ai reçu un mail automatisé d'un service qui a fait oh, « c'est pas bien, t'as mis une private key dans ton repo public ». Alors, je vais vous le montrer parce que c'est quand même assez amusant. J'ai reçu ce
Alors, je vous mets juste un petit screenshot pour pas tout dévoiler du mail, notamment les infos, genre un peu. Mais grosso modo, il y a un service qui scanne régulièrement les dépôts publics GitHub. Et en gros, il a fait hey, au fait, vas-y, on a détecté une clé privée SSH qui est dans ton truc. Et voilà, tu devrais faire attention. Voilà. Donc, même pour juste un exemple, voilà. C'est, et le truc indique, hein, et au fait, j'ai reçu, voilà, le truc, il a été envoyé donc à 21h49 la semaine dernière. Voilà, c'était le petit truc amusant, c'est que il existe voilà, des services qui vont scanner les dépôts sur, bah, notamment sur GitHub, les dépôts publics. Et si jamais il y a des secrets, soit ils en profitent, mais ça, généralement, ils vont pas vous le dire, et soit ils vous avertissent. Donc c'était la petite blague. Je me suis... Alors, tu es emmerdé avec GitHub, Manon. Mais pourquoi es-tu emmerdé avec GitHub? Car pour faire des merge requests, il te dit que tu risques de dévoiler ton mail. Du coup, tu essayes de comprendre comment se config GitHub, c'est pas très clair. Alors, moi, ce que je te recommande, et c'est ce que j'ai fait moi sur GitHub, c'est d'utiliser un alias. C'est d'utiliser un alias ou une boîte mail dédiée sur laquelle tu dis, bah, de toute façon, c'est voilà, cette boîte mail là, elle est publique. Voilà. Alors là, effectivement, j'aurais pu vous montrer le mail vraiment avec mon adresse. Elle n'est pas bien difficile à trouver puisque bah, elle est sur mon profil GitHub. Maintenant, voilà, moi, c'est pas. C'est un alias, très clairement. C'est pas ma boîte mail principale. Donc. Donc le mieux, voilà, c'est d'avoir un truc comme ça et de partir du principe que, bah oui, tu vas recevoir dessus des cochoncetés. Encore que, moi, ma boîte mail GitHub, enfin mon alias GitHub, je reçois pas énormément de bêtises. Je suis même pas sûr que j'en reçoive. Est-ce qu'on peut dire que ce truc-là de chez GitGuardian, c'est une bêtise? Dans l'absolu, en fait, ouais... Alors, une bêtise, je sais pas, mais très, très clairement, GitGuardian, c'est une entreprise. Ils veulent se faire de l'argent. Le principe, c'est qu'ils attirent, entre guillemets, les gens au niveau des repos publics en disant, voyez, on est cool, on scanne les repos publics pour vous montrer que vous pouvez faire mieux. Et puis, si jamais vous voulez éviter les problèmes sur vos repos privés, et ben, payez nos services, par exemple. Voilà. Donc c'était le petit truc marrant que je voulais partager avec vous. Je n'ai absolument pas cliqué. Alors, le truc Fix This Secret Leak, en fait, c'est un lien qui va justement vers chez GitGuardian qui propose de me loguer en utilisant l'OTAN de GitHub. Donc je ne l'ai pas fait. Parce que déjà, j'ai envie de me dire, mais de quel droit ils s'amusent à scanner mes repos, même si, bon, mon code est ouvert. Et ensuite, utiliser le truc... Dans l'absolu, GitGuardian, moi, je sais pas d'où ils sortent. Je sais pas ce qu'ils veulent utiliser après de mon compte GitHub. Donc, j'ai préféré ne pas cliquer dessus. Et pour ce qui est de remédier au problème, on verra ça à un autre moment. Sur les dépôts... Alors, oui, par contre, il y a un truc de chez GitHub qui est assez pratique et qui est interne à GitHub. C'est que quand on dépend de bibliothèques vulnérables, on reçoit un truc d'un certain dépendabot. Je l'ai sur d'autres repos, notamment sur le repo bah, du code source de LinuxFR. Et oui, c'est super pertinent et GitHub a raison de faire ça. Très clairement. C'est un mélange entre Git et le journal Guardian. Pas mal. Bien trouvé, Manon. Bien trouvé. Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour la petite blague, c'est que des fois, quand on fait des bêtises en public, et ben des fois, il y a certains qui regardent et qui vous le montrent. Voili, voilou. Ça, je vais le remettre par ici. Donc ça, c'était notre petit schéma. Et ensuite, c'est reparti pour du code. Hein. C'est reparti pour du code. Donc ici, j'ai commencé un petit peu à modifier... avant le stream, en me disant ouais ça va être peinard, je vais modifier trois lignes et puis on n'en parle plus.
mon œil. Déjà d'une, bon, alors là, vous voyez carrément l'IP de la machine du lab, de la future machine du lab. La blague, c'est que j'avais mis à la base juste son nom, puisqu'elle s'appelle Marvin. Et en fait, ça marche pas. Alors pourtant, normalement, j'ai dans mon fichier de conf SSH, normalement, c'est indiqué. Mais je sais pas pourquoi le truc voulait pas. Donc, avec l'IP, ça marche. Donc, tant mieux. Donc ça, déjà, c'est pour me connecter. En fait, pourquoi je fais cette modif? C'est pour me connecter, en fait, depuis mon poste de stream, sur lequel j'ai mon code Terraform, sur ma machine Marvin, sur laquelle il y a aussi un hyperviseur libvirt. Enfin, un hyperviseur KVM avec libvirt. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai modifié. Dans les networks, j'ai rien touché. Enfin, dans les networks ici sur Terraform, j'ai rien touché. Sur la machine Marvin, en revanche. Si, on voit bien, voilà. J'ai fait des modifs. Parce que donc, j'avais mon homelab historique avec certains noms de réseaux qui pouvaient poser problème. Donc, j'ai renommé tous mes anciens réseaux virtuels. Voilà. Alors, ils sont pas allumés. Si ça se trouve, si je pop les VM du réseau de l'ancien homelab, ça va hurler parce que le nom du réseau est pas le même. Faudrait que je pense pour les VM de l'ancien homelab à leur dire va dans le vieux réseau. Mais voilà, pour le moment, on est comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Au niveau des volumes, j'ai commencé à faire 2-3 modifs. Ah bah tiens, hop, là il y a une typo. Hop là. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je pense que ça va aller un peu plus loin. Et ça pourrait être sympa de variabiliser. Parce que tout le monde n'aura pas forcément les mêmes chemins. Mais on verra un peu plus tard. Donc déjà il y a ça. Alors j'ai bien entendu collé les images sur la machine hyperviseur. Et puis, eh ben, on va voir un peu ce que ça donne pour tenter de faire tourner ce truc-là sur mon hyperviseur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, j'ai le code Terraform. Là, Attends. Pouf. Ici, ce sera pour faire les Terraform Apply. Ici, c'est le code Terraform. Ici... C'est quand je vais vouloir modifier du Cloud Init. Et ce que je vais faire, c'est en 5, hop, en 5, je vais me connecter sur Marvin. Voilà. Faire un vir sh net-list pour voir qu'il n'y a pas de réseau. Alors oui, il y a les réseaux default, next default, mais ça, à la limite, c'est du classique. Enfin, en tout cas, le default, c'est du classique. Et si je fais un vir sh list, j'ai aucune VM de lancer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit watch -n 10. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vir sh netlist, hop, et vir sh list. Hop. Voilà. Ah, par contre, il a pas l'air de... Alors... Si je fais ça. Voilà, là on est bien. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est regarder. Hop. Alors je voudrais me mettre là. Terraform, déjà un petit validate. Ok. Init. Jusque là, tout va bien. On va faire un plan par précaution. Moins out égale plan.out. Jusque là, ça a l'air pas mal. Et puis on va apply. Hop, on va apply et puis on va passer vite fait sur ici. Et là, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Voilà, on a les réseaux qui pop. Donc on a tous les réseaux qui pop et pour le moment, on n'a pas de VM qui pop. Donc on va revenir ici et oh bah tiens, des erreurs. Var lib libvir boot could not no such file or directory. Ah, me serais-je gouré dans les... Can't find storage, nils boot. Ah, là aussi, il y a des soucis. Donc déjà, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va revenir partout où il y a du... Ah oui, d'accord, il y a nils image aussi. On va aller commenter tous les pools, en fait. Dans un premier temps, et puis ensuite, on va...
On va peut-être variabiliser ça. Hop. Donc là, on est bon. Non. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 2. %s, un slash. On va faire pool égal, pour être tranquille. Et on va faire dièse pool égal slash. Voilà, comme ça, on est tranquille. Puis on va le faire ici aussi. Si je fais... J'aurais pas moyen de le réappliquer si je fais G. Non, ça passe pas. Non. Allez. Slash pool égal. Slash dièse pool égal. Hop. Donc on va devoir le refaire encore 2-3 fois. Voilà. Ensuite, hop, et on est sur le 6, donc non, c'est le dernier. Hop. Le main, on est bon. Les networks, on est bon. Et celui-là, on est bon aussi. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, ça va pas trop mal. Donc on va refaire. Hein. On replane. Normalement, tout va bien. Voilà. Et ensuite, on apply. Et là, il va me faire badaboom. Ouais. Can't find storage, nils boot. Où ça? Alors, ISP1, ligne 33. Hop là. ISP1, ligne 33. Pool. Ah, celui-là, il avait pas de. Il avait pas de dièse. Et lui, il cherche var libvirboot, Fedora CloudBase 36. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Et le iOS. Eh ben écoute, on va regarder là. Hop. Var libvirboot. Cloud Base. Allez, éventuellement QEMU. Et celle-ci aussi. Et pourtant, elles sont toutes les deux en. Ah, zut. Hop. Var lib. On va quand même revérifier. Ah, il la trouve, ok. Et celle-ci. Et il la trouve aussi. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Save plan is stale. Ah, allez, on recommence. Et il en veut toujours pas. Alors pourquoi? Pourquoi il en veut pas? Var lib libvirboot. Pourquoi il n'arrive pas à l'open? Non, toujours pas. Mmh.
Alors éventuellement, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on peut peut-être tester un truc. C'est tenter en source. On va tenter celle-ci en source. On va voir s'il la télécharge. Ou si jamais il chouine. Ok, à mon avis, il est en train de la télécharger. Et ensuite, il va se plaindre juste de l'image iOS. Si tout va bien. Enfin, si tout va bien. Si j'ai compris. Hein, pourtant, il les crée les deux. Alors. J'essaie de comprendre, hein. Var, lib, libvirt. Boot. Voilà, là par contre, il est pas content. Ok. Alors, la question que je vais me poser maintenant, c'est où est réellement ce fichier? Si je lui redonne ça. Xours. Hop. Alors. Donc, si je pige bien, en fait, le chemin qui est indiqué dans le... à cet endroit-là du... à cet endroit-là, en fait, c'est le chemin... c'est le chemin depuis là où est lancé Terraform. Donc moi, dans mon cas de figure, je peux le mettre ici. C'est en local, c'est pas un remote, en fait. Je me demande si dans les ressources volume libvirt... remarque, si je mets dans le pool... je vais le tenter, tiens. Si je le mets dans le pool default, est-ce que ça passerait? Après tout. Pool, boot. Parce que je l'ai mis dans un pool qui s'appelle boot. Si je m'en rappelle bien. Hein. Hop. Si je vais ici dans les détails et que je regarde storage, j'ai un storage qui s'appelle boot. Dans lequel il y a bien mon Fedora Cloud Base. Ouais, il y est. Hop. Et normalement, si je regarde sur mon local à moi, détail, est-ce que j'ai un storage? Ah, j'ai un storage qui s'appelle boot, mais il est pas dedans. On va essayer, on va voir. Hop. Alors, roulement de tambour. Ah, mais... D'accord, il l'avait bien créé, mais il le recrée... J'ai pas fait gaffe au plan, en fait. Replaced, ok. Mais c'est qu'il est en train de me créer tout ça, en fait. Il est en train de me créer tout ça, là. Bah ouais, ISP... J'ai de la VM qui tourne, là. Si je vais sur ça et que je refais mon watch... Mais oui, c'est que j'ai de la VM qui commence à se popper. Eh, c'est cool, hein. C'est cool, ça. Ah, voilà, les choses commencent à devenir intéressantes. Hein.
Hey, merci pour le follow, Moz VIP. Merci à toi. Alors. Ouais, c'est que ça en fait de la VM là. Cool. Alors pour le moment, on a juste les deux routeurs qui se configurent normalement. Tiens, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est faire un petit sudo virsh console de ISP1 en routeur 1. Et on va pouvoir jeter un œil. Est-ce que ça... Ah, on arrive à la fin de la config. On arrive à la fin de la config. Et ça, c'est plutôt cool. Configuration success. Ça, c'est cool. Et donc là, si je fais un petit VIOS, et que je fais un petit show IPBGP summary, pour le moment, voilà. Ah, il a le ISP2 qui est up, mais pour le moment, c'est tout. Et donc, si je fais un show IP route, pour le moment, on a... Ouais. Donc, pour le moment, on a toujours que les ISP1 et ISP2. Ah, parce qu'il s'est planté, parce qu'il n'a pas popé... Ok. Il a pas... D'accord, allez. On va faire un destroy par précaution. Donc ça a vraiment l'air d'être local et pas remote. Ok. C'est bon à savoir. Donc, je vais pas m'embêter la vie ici. On va remettre ça. On va se mettre ça là. Ensuite, ici, on va recommencer. Je planifie et j'applique. Voilà. On va revenir. Il est où mon petit Marvin? Il est là. Donc là, il a juste... Voilà, ça y est, les réseaux ont pop. Donc normalement, dans un instant, on va voir apparaître au moins les deux premiers routeurs. Alors, il y a l'air d'y avoir un petit peu plus de monde qu'en début de stream. Donc, si jamais vous découvrez un peu la chaîne et vous découvrez ce stream, n'hésitez pas à demander où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en train de faire comme truc. Alors, toujours en train de créer. Il est toujours en train de créer. Ok, cool. Ah bah voilà, il a popé mes... Hop. Alors. Le routeur 1. Tiens, on va lui faire pareil, on va lui demander où est le routeur 2. Hop. Donc ISP2, routeur 1. Où est-ce qu'il en est, lui? Lui, toujours pareil. Bah oui, comme d'habitude, ils attendent les interfaces réseau. Je pensais que c'était censé être rapide, système D. Alors remarque, c'est peut-être pas la faute de SystemD dans ce cas de figure-là. Hein. Ah là là. Hop. Il en est où? ISP1, DNS1. Ah, il a commencé à créer ISP1, DNS1. Je sens comme un ton sarcastique. Juste un petit peu, Manon. Juste un petit peu. Ok, donc il a lancé les DNS. Non, c'est pas ça que je veux. ISP1, DNS1. Hop là. Donc là, il est sur le point de monter la config. Non, je dois avouer quand même que c'est pas ultra rapide. J'aurais aimé que ça le soit un petit peu plus.
Après, j'ai légèrement abaissé la fréquence des processeurs en espérant que ça suffise. Pour pas qu'on ait trop chaud. Là, c'est bon. Et là, là normalement, il devrait pouvoir accéder... là, il est en train de mettre à jour le repo pour pouvoir installer quelques petits logiciels. Et comme c'est le DNS, je vais pas pouvoir le faire autrement. Pendant ce temps, il en est où lui? Il sleep pour ISP4 router 1 et ISP6 router 1. Ok. Donc, si on revient ici, on a nos réseaux toujours. Et on a nos... Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être s'y reprendre autrement. On va faire ici netlist. Parce que bon, une fois qu'ils ont popé les... hop, voilà. Là, comme ça, de toute façon, les réseaux, une fois qu'ils sont là, on sait qu'ils sont là. Et là, on est, on en est à... Ah, on en est aux ISP3. Ok. Les VPS ISP3 ont popé. Et on a déjà l'ISP6 VPS1 qui est là. Oh! On va se connecter sur le routeur. Le premier. Puis on va faire un petit show IP route. Voilà. Ici, on va faire pareil. Petit show IP route. Et donc, on peut voir qu'on commence à avoir la route en 2, la route en 6. Et si je fais un show IP BGP Summary, pour le moment, je n'ai que... Pour le moment, je n'ai que le routeur du numéro 1 et pas le routeur du numéro 3. Et ce niveau-là. Et ici, si je fais un show IP BGP Summary, bah c'est pareil, on a le... Ah si, non, on a le 2 et on a le 6. Donc c'est que en fait, lui, il n'a pas encore pris connaissance du 6. J'imagine que ce n'est qu'une question de temps. Et pendant ce temps, lui, il a l'air d'avoir... Ah non, il a... Ok. Ça, c'est plutôt bon signe. Là, le DNS, il est installé. Et DNS Mask tourne. Donc ça, c'est cool. Et il trouve linuxfr.org. Ce qui est plutôt appréciable. Ça veut dire que le serveur DNS, lui, il est parfaitement fonctionnel. Et ça, c'est bien. J'ai mes VPS. Ok, cool. Je les ai tous. On va faire un petit tour vite fait. Là, pour le moment, je suis toujours un peu... pas toujours grand-chose au niveau BGP. Si je fais un show IP route, par contre, normalement, voilà, j'ai tout. Oui, c'est normal qu'il me montre que les deux. Oui, je suis bête. C'est normal, puisque ce sont les voisins directs qui montrent. Il n'a pas connaissance des autres. En revanche, la route, les routes, elles sont là. Ok, cool. Et là, si je fais un petit show IP route, pareil, on a à peu près toutes les routes qui sont propagées. Donc ça, c'est cool. Si je reprends mon schéma, hop, le schéma. Donc en gros, depuis ici, on voit lui comme voisin et on voit lui comme voisin. Et bien entendu, les routes des autres sont malgré tout partagés. Donc en fait, depuis lui, je sais atteindre cette machine-là. Uniquement avec du routage, hein, pas de NAT. Et bien entendu, tout ça, ça peut sortir sur Internet. Alors je vais me connecter au VPS, tiens, le 4, le ISP4. VRSH console ISP4
VPS1. Et, ah, on a eu quand même un souci avec CloudInit. Donc, je pense que c'est encore que les VM, voilà, c'est ça. Hop, il a failed. Je ne sais pas exactement où il a failed. On va regarder ça. Hop, et à quel moment il s'est viandé? Curl error, could not resolve was 9 for... Ok, bon. Donc c'est qu'en gros, il a... Salut à toi, FX le bulot. Bienvenue. Alors, donc a priori, je pense qu'il a popé trop tôt en fait, et que le serveur DNS n'était pas encore dispo. Donc, ce qu'on peut faire, hop, on va retourner ici. Donc, ça c'est lequel? C'est le 1, 2, 3, 4. Alors, le 4, on en est où? Je lui avais mis combien de temps en termes de, d'attente? Ah, j'avais mis un slip de wait for ISP3 router 1. Ok. Et là, j'avais le ISP4 router 1 à 75 secondes. On peut le mettre à 90. On pourrait le mettre à 90. Exactement quand il dit... ouais, il dit « couldn't resolve host name ». Donc, dans l'absolu, il faudrait que j'augmente... What the... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi c'est... Pourquoi c'est du chinois? Pourquoi c'est du chinois, là? Enfin, du chinois. C'est incompréhensible, ça. J'ai fait une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. Alors... on a normalement, voilà, une attente qui est pas très loin. Wait for ISP3 router 1.60, et ben on va lui mettre 75 secondes. Et on va voir si ça suffit. Alors du coup, le VPS, lui, il va devoir attendre. Il va devoir attendre. Donc on va réessayer. On va réessayer. On va revenir ici. On va faire un petit destroy. Voilà. Et ensuite, on va recréer tout ça. On va voir si ça suffit. Et après ça, on va pouvoir commencer à faire quelques commits. Et peut-être refaire quelques tests. Parce que globalement, là, les histoires de pool, je pense qu'il va falloir les mettre dans des variables pour que chacun, chacune puisse en profiter. Et adapter selon son environnement. Alors malgré tout, il reste un point... un point que ce serait vraiment pas mal que je fasse un stream dessus, c'est la génération de l'image ISO, de l'image disque pour le routeur qui fonctionne sous une distrib Linux qui s'appelle VaiOS. Justement, enfin, pour celles et ceux qui découvrent un peu la vidéo, qui se sont dit mais comment il fait des shows hyperou, des trucs comme ça, là c'est quoi son système? Bah en fait c'est une distrib Linux qui s'appelle VaiOS et qui a et qui en plus du shell classique bash à une ligne de commande inspirée de certains routeurs commerciaux. JunOS pour pas, enfin Juniper pour pas les nommer. L'idée en fait, c'est qu'en fait ces routeurs sont provisionnés à l'aide de CloudInit, mais
mais ces routeurs qui sont provisionnés à l'aide de Cloud Init, en fait Cloud Init n'est pas intégré par défaut dans VIOS. Si vous prenez une image ISO disponible sur le site de VIOS, vous n'avez pas Cloud Init dedans. Tiens d'ailleurs, je me demandais est-ce qu'on pourrait vérifier si c'est toujours le cas des fois que VIOS.io, si je me rappelle bien. VIOS.io. Hop. Hop. Alors. Produit VIOS Router. Hop là. Rolling Release. Ok. Et il ne propose que des images ISO. Voilà. Il ne propose pas d'image disque. Il propose que des images ISO. Donc il faut. Il faut se créer soi-même son image disque. Alors, malgré tout, est-ce que si je copie le lien, ouais, non, ils ont mis un access denied. Ok. Alors, remarque, il y a écrit S3-US, donc j'imagine qu'ils font ça sur de l'Amazon S3. Ouais. Ah tiens, il y a des trucs de smoke test et des. Ah, ils ont des trucs automatisés. Et ils testent des... ok, ils balancent des confs et ils vérifient que ça fonctionne. Ok. C'est classe! Ouais, c'est classe. Oh, il y a même du Tunnel Broker. Le truc vérifie qu'il peut se connecter à Tunnel Broker pour faire des IPv6. Remarque, c'est que des IPv4, là. L2TP, V3. Des tunnels... Ok, soit. Bon, donc effectivement, bah, il faut se créer soi-même son image. Donc, j'espère pouvoir vous montrer ça dans un stream, un de ces quatre. Je suis aussi en train de réfléchir sur ce qui va se passer, notamment en fin d'été, sur les streams. J'espère qu'on pourra faire des trucs intéressants pendant... Pendant que je serai en déplacement, j'ai encore des déplacements de prévu. Et j'aimerais pouvoir essayer de streamer à un moment pendant mes déplacements, en fait. Donc ça risque d'être plus des sujets one shot que des projets comme celui-ci. Alors, il en est où là? ISP4 router 1, il attend, il est en train de créer. Alors, on va revenir ici. Je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai pu faire de mon paquet de mouchoirs. J'avoue, c'est pas... Ah, si, il y a une boîte de mouchoirs là-bas. Hop, je vais vous laisser avec... Hop, si je reviens ici. ISP en routeur 1. Mais non. Qu'est-ce qui lui arrive? Hop. Lui, le routeur 2, il est là. Lui, c'était lequel? ISP 1 DNS 1, il est là. Et lui, c'est le ISP 4 VPS 1. Ah, il est créé. Il est en train de se... Ah, cool. Donc là, on est bon. Et si je fais un petit htop... Commande not found. Ok. J'ai pas installé htop. Ok. Status DNS mask. Et donc ça tourne. Et lui il a l'air d'avoir tourné. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. J'ai pas eu de message comme quoi il s'était planté. Si je fais un rpm-q de ifTop. On est... Ah non, il n'est pas installé. Ben mince alors. C'était pas ifTop dans les packages que j'installais. Alors on va aller regarder ça. CTL status. Et on va lui dire cloud-init. Ah non, c'est qu'il a pas fini. Ok. Et ben pendant qu'il termine, hop, je vous demande un petit instant.
et il n'arrive toujours pas à résoudre le nom. Bah alors. Il n'arrive toujours pas à résoudre le hostname. Ça m'ennuie. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que l'ISP2 DNS1, lui, il répond. Ah! Il a eu une erreur. Allons-y. Hey, merci beaucoup pour le follow, FXOverflow007. Merci à toi. Allons-y. Var log. Et on voulait cloud init output. Et en gros, file to run, module script user. Pourquoi ? Ah, DNS Mask n'est pas installé. Il y a un petit souci. Donc on va aller regarder dans le cloud init. Hop, on est ici. Alors, ISP2 DNS1 User Data. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, il installe pas DNS Mask en fait. Alors, si je fais un petit diff-bu entre lui et... Enfin, plutôt ISP... Hop, voilà. On va en faire un petit moins color. C'est plus sympa. Donc, le nom de la machine n'est pas le même. Et effectivement, il me manque DNS Mask et bind utile. Ensuite, là, oui, il y a une différence parce que c'est pas les mêmes IP. Et on n'a pas DNS Mask. Ok, donc c'est juste que, oui, effectivement, le DNS... Tiens, le final message, il est resté le même ? Oh. Donc, on va commencer par ajouter DNS Mask et bind utile. C'est utile ou utils ? Utilise. Voilà. Et ensuite, hop. On met ça ici et au passage, fail to ban, ça, on n'en a plus besoin. Et lui, ici, ce sera ISP2 DNS1. Alors, histoire d'éviter, dans un premier temps, de juste tout recréer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de mon Virtual Machine Manager. Là, on a j'ai toutes mes VM là, qui tournent. Et donc, ISP2 DNS1, je vais juste le delete comme ça. Voilà. Je le delete. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reviens ici. Ça, je vais couper. Voilà. Je reviens ici, et donc, tout ce que je fais, c'est que je refais un plan. Et il me dit globalement qu'il va refaire un ISP2 DNS1, en fait. Hop. Et donc, j'applique. Et pendant ce temps, je mute et je me mouche. Et me revoilà. Alors, donc, assez rapidement, il a fait... Et au fait, j'ai ajouté des trucs. On va pouvoir retourner... tiens, j'ai pas fait de petit diff cette fois-ci, là. Voilà, donc finalement, on a juste les noms qui changent. Cool.
Marvin, ISP2 DNS1, vas-y. Ah, et puis en plus, il nous disait, tiens, j'essaye d'activer Fail to Ban, mais il n'existe pas. Donc si ça se trouve en plus, on a rajouté du temps dans la partie Terraform, là, on était à 60. Si ça se trouve, 60, ça suffit. Mais on va le tester après, en fait. Je vais d'abord m'assurer que le DNS1 de l'ISP2 fonctionne. Ensuite, je vais redétruire le VPS de l'ISP4 pour le repopper. Et une fois que ça, ce sera repopé, on pourra recommencer depuis le début. Et pendant ce temps... Voilà! Tout de suite, il installe tout ce qu'il faut. Ça, c'est chouette. Voilà. Ah, il a quand même un fail. Il a quand même un fail. Allez, on va aller voir ce que c'est. DNS Mask, il a pas voulu se lancer ? Et pourquoi il a fail? Fail to create. Cannot assign. 10.1.0.53. Ah! Il y a une erreur. Ici. 10.2.0.53. Hop. Alors, ce qu'on va faire. Ah oui, j'ai pas mis Vim. Hop. Est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est pas là-dedans. C'est un point D. Local. Et on va relancer DNS Mask. Ça, c'est juste une petite erreur. Voilà. Là, on est bon. Parfait. Maintenant. Lui. Le ISP4 VPS1. On va le couper. Et on va le détruire pour le recréer. Alors, ISP4 VPS1. Hop. Allez, delete. Voilà. Et on va refaire pareil que ce qu'on avait fait ici. Donc, je plane. Il va dire, au fait, il faut rajouter un ISP4 VPS1. Et on l'applique. Voilà. On revient ici. Et là, hop, il démarre, et normalement, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'ISP4 VPS1 qui doit être HS, il doit aussi y avoir tous les VPS de l'ISP3 et, qui sont dans le mal. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais plein de soucis, en fait. Voilà, et là, il n'a pas dit, j'ai des erreurs. Tout va bien pour lui, si je me connecte. Voilà, j'ai pas d'erreur. Tout va bien. Donc, maintenant que j'ai corrigé ces petites erreurs-là, on va se refaire un bon vieux destroy complet. Voilà. Et on va pouvoir recréer le bignou. Je pense que très sérieusement... Il va falloir que je me prenne un truc contre le nez qui coule. Ça, c'est détruit. Donc, on planifie. Boum. Et on applique. Pendant que ça applique. Donc là, pour le moment, il n'y a rien. Il va me popper ma quantité de réseau. Voilà. Et ensuite, il va me popper... au moins mes deux premiers routeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser ça, en fait.
mon premier routeur, mon deuxième routeur, et on va les attendre gentiment. Alors, mes routeurs qui démarrent tranquillement. Et moi, au niveau du Virtual Machine Manager, en graphique, ouais, pour le moment, il y a juste les deux routeurs. Tout le reste, là, toutes ces autres VM qui ne sont pas affichées comme actives, en fait, c'est l'ancien HomeLab. Si je reviens ici, pour le moment, toujours que mes deux routeurs. Puisque j'attends, en gros, une bonne minute pour que une fois que les routeurs sont démarrés, pour que leur conf soit bien appliquée. Et je vais disparaître à nouveau un petit instant. Et me revoilà. Donc là, on a les deux DNS qui sont arrivés entre temps. En tout cas, ils ont démarré. Et là, pour le moment, au niveau de la conf de lui, là, pas grand chose. Ah! What? Ah bah d'accord. DNS Mask est super rapide pour créer les utilisateurs, mais alors... mais c'est logique, hein, l'installation de logiciels, que ça prenne un peu plus de temps. D'ailleurs, ce qui me fait penser, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une alternative à Cloud Init, qui est développée justement, je crois, plutôt côté Red Hat, et qui s'appelle Ignition. Je trouve le mot assez bien choisi, Ignition. Alors. Allez, dépêche-toi, Cloud Init. Dépêche-toi de m'installer DNS Mask. Allez. Tiens, pendant ce temps, je vais regarder où en est la charge d'ailleurs sur la machine là. On a une load de 5, bon, ça bosse au niveau des processeurs. Et si jamais je lui demande les sensors, on va lui dire juste ça. Juste les températures. 61 degrés, ok. Donc là, on a les routeurs de ISP4 et ISP5 qui ont démarré, mais pas encore leur VPS. Ce qui fait qu'au niveau des routes, alors j'ai pas encore tout, mais ça va pas tarder. Et j'ai... Ouais, c'est que j'ai pas encore le routage de l'ISP6, c'est normal. Voilà, là j'ai le DNS Mask. Et entre temps, l'ISP4 VPS1 a démarré. Donc maintenant, on va espérer que l'ISP4 VPS1 se configure correctement. Vérifier, c'est cloud-final. Et ouais, il a fini correctement, sans erreur. Génial! Génial. Par précaution, on va peut-être jeter un œil à celui de l'ISP3. Ah!
Il aurait pas fini, lui, tiens. Il aurait pas fini. C'est étonnant. Il y a juste le Network Manager Wait Online qui pose problème. Est-ce que j'aurais fait une erreur dans le ISP3 VPS1? Alors, 10.3.0. 10.3.0. Si je lui demande le VPS2, 10.3.0 aussi. Ouais, ça a l'air d'être bon. 10.2.0.53 en DNS, 10.2.0.53 en DNS. Ok. Ah, il a l'air d'avoir installé des choses. Alors, si je fais un sudo système ctl status de cloud-final, qui est donc le dernier service de cloud init, il me dit fail. Ah, il me dit fail. Et il arrive... qu'est-ce qu'il lui dit? Non, il a la bonne IP. Tiens, j'ai un cooldown resolve. Alors, on va faire un petit laisse et puis on va aller chercher le cooldown resolve. Alors... c'est quoi qu'il n'arrivait pas à installer? Est-ce qu'il a installé Git Core? Alors si je reprends ma liste, il est censé m'avoir installé Iftop, LSOF et Git Core. LSOF, on est bon. Git Core, on est bon. Et j'avais dit quoi d'autre? LSOF et Iftop. Ouais, c'est bon, il les a installés. Alors peut-être qu'au début ça a dû se... il a pas dû... parce que si je fais un ID nil, ça il me l'a installé. Ça, est-ce que ça y est? Non, ça, ça... ah si, ça y est. Je vérifie que le paramétrage, celui-ci, il a eu lieu. Donc ça, on est bon. Bon, les trucs fail to ban, ça... limite, je vais les enlever, les trucs fail to ban. Parce qu'a priori, j'installe pas les packages. Ça, je pourrais toujours essayer de le déployer via, via Ansible. Donc ouais, globalement, ça a l'air d'être bon. C'est plutôt... c'est plutôt pas mal. Donc là, ça fonctionne. On est content. Je dirais même très content. Donc, si je jette un œil ici, que je suis un petit git status. Tiens. J'ai dû toucher un truc sans le faire exprès. Mais c'est pas grave. Alors, pour le moment, ce qu'on va peut-être faire, je pense, c'est revoir nos histoires de pool. Donc, on va créer des variables, je pense. Je pense qu'on va créer des variables. Et puis, on va les appliquer au... on va les appliquer. Comme ça, on sera mieux. Alors... Pour cela, on va pas s'embêter trop. On va se créer deux fichiers. Enfin, peut-être même... ouais, deux, trois. Alors déjà... tab new. Et on va créer un pop-up variables.tf. Voilà.
Et ensuite, on va faire un terraform.tfvars. Voilà. Et ici, ce qu'on va commencer par refaire, c'est créer deux. On va faire un image variable qu'on va appeler image tool. Et on va faire default égal. Et il va s'appeler default, hein, je pense, parce que par défaut, si je vais dans mes détails, que je vais dans storage, par défaut, il s'appelle default, le var libvirt images. Hop, donc default. Hop, on va créer une variable, une autre variable qui va s'appeler cette fois-ci bootpool. Hop. Et qui sera le même endroit par défaut, parce que le pool boot il n'existe pas forcément par défaut. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs qu'on pourrait envisager de. Si, je sais. Variable. Alors, variable. Qu'on va appeler. Alors, il faut retourner voir côté storage en fait. Ici, on a Fedora Image et iOS Image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Fedora Image URL. Source. Default. Et ce que je vais faire en default, c'est que on va lui mettre. On va lui mettre cette URL en fait en default. Je prends ça. Hop, parce que ça, c'est une image qui est dispo sur internet. Donc au pire, ça la télécharge. Et donc, l'autre sera iOS image source. Et lui, par contre, en default, je vais mettre slash dev slash nul. Parce que pour le moment, à moins que je la mette en téléchargement quelque part, ça pourrait être une bonne idée, tiens. Je vais la mettre en téléchargement quelque part, alors quelque part où j'espère ça va rester pertinent. Alors je vais faire ça, hop. Parce qu'elle pèse quand même presque 500 mégas. Tiens, je voudrais vérifier. Ouais, non, les images QK2, elles sont directement. Ouais, elles sont pas zippées. Donc je vais aller la mettre sans la compresser, en espérant que ça passe. Je vais aller la mettre quelque part sur. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire QK2 là-dedans sur media.anotherhomepage.org, qui est en gros un emplacement web de ma part où je mets des trucs que je veux laisser en téléchargement libre, petit espace comme ça, pratique.
D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour je revoie ce truc-là, parce qu'en gros, c'est juste. C'est juste, comment dire, c'est juste un Apache qui liste un répertoire, en fait. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai ce soir, c'est. Pardon. Ah, je vous demande un petit instant, et j'arrive. Ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est le rhume des foins informatiques, Manon. Non, je pense que c'est dû à des changements de température, en fait. Alors. Ah mince! Ouais, punaise. Alors, avoir la crève en été, au mois de juillet, s'il y a bien un truc qui est horrible, c'est ça. Ah bah si le test PCR est négatif, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. Et j'espère que c'est juste une crève. Hein. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit... Eh mais j'ai un répertoire VM là-dedans. Et il n'y a rien dedans. Bah VM, ce sera très bien, tiens. Voilà. Bon, il n'a pas encore fini de copier, mais... Hop, copier le lien. Voilà. Comme ça, au moins, par défaut, il y aura une image. Alors, peut-être que cette image, elle sera pas très... Toi, tu sais où t'as chopé ça, les enfants. Ah, bah oui. Je compatis. Je compatis, Manon. Franchement, ça... J'en ai vu des gens qui se retrouvent malades à cause de leur progéniture. Donc, j'ai mes variables. J'ai mes variables, mes premières variables. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller remplacer nos trucs par ces variables. Et ce que je vais peut-être même faire ensuite, c'est mettre mes valeurs à moi. Donc, pour le moment, il faut que je mette image pool. Alors... Donc partout là où j'ai pool, en fait, il faut que je fasse comme ça, dollar, hop, j'ai même pas besoin de ça normalement, hop, comme ça, et je mets var.image, c'est quoi, ouais, image pool. Non, attends, nils boot. Donc celui-ci, lui il est bon. Lui il est bon. Et là c'est boot pool. Hop. Hop. Et ensuite, est-ce que j'ai des poules ici? A priori non. A priori non. Ça c'est fait. Hop. Bon, on va les changer après. Hop. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ici c'est.
C'est images ou c'est images que je me gourre pas. J'ai mis images. Et je vais mettre images en fait. Afin que je le modifie. Hop, voilà, ça c'est corrigé. Donc ici, c'est images. Pool. Et là, c'est images pool aussi. Voilà. Hop, ici aussi. Donc, image, hop. Image, et là c'est du boot. Voilà. Et là aussi, tiens d'ailleurs, je l'ai oublié. Hop. Allez, on y croit, on en est au quatrième. Et rien d'autre. Ok, cool. Ici. Donc. Le cinquième. Oula. Ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va se mettre ici. Là. Hop, là c'est bon. Comme ça. Donc là c'est images. Hop, hop là. Et là, c'est boot. Et là, c'est boot aussi. Ok, cool. Ah non. Hop. Hop. Là, on est bon. Et donc, lui, on va redescendre en fait là. Là. Comme ça, lui, c'est bon. Lui, ok. Lui aussi. Et lui. Ah, je savais bien que j'étais en train de me planter. Hop. Voilà. Et lui aussi, images. Voilà. Donc là, là, on est bon. Ça aussi, il va falloir qu'on le mette en variable. On va lui dire libvirtuary. Une variable. Libvirtuary. Hop. Default. Égal. Et du coup, c'est... zut. Hop, le voilà. Hop, c'est ça par défaut. Ensuite, j'ai mes... Ah oui, il faut que j'applique mes images sources et mon libvirtuary. Alors...
ici, source égale, hop, on a dit dollar var. Pourquoi je fais un dollar? C'est pas ça normalement. C'est pas la bonne syntaxe que j'utilise depuis tout à l'heure. Si je vais ici. Hop. Et que je vais dans le celui-ci. Donc mes variables, ok, je les déclare comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas à s'embêter avec des trucs bizarroïdes. Donc var.fedora image source. Fedora image source. Et iOS image source. Hop. Donc, on va retirer tout ça. Voilà. Et ensuite, voilà. C'est reparti. Ah là là. Je vous jure. Vivement les vacances, hein. Alors, on refait. Voilà. Je pense qu'il doit me manquer, une information sur l'utilisation de Vim. Je pense que là, il doit y avoir moyen de le dire. Et au fait, refais la même modif. Je sais pas si je peux faire un. Non. Je pense que ce serait tentant de jeter un œil. Hop, alors. Voilà. Et lui, on a dit, c'était divirt URI. Hop. Ok. Donc là, il va me rester à modifier, moi, à mon niveau ici, et mettre mes variables personnalisées.
pour Terraform. Donc, je vais encore entre guillemets tricher. Ici, j'ai un terraform.tvar. Hop. Et donc, je les mets juste comme ça. Ok, allons-y. Donc, image pool égale boot pool. Fedora image source. Hop. VaiOS image source. Et libvirtuary. Donc là, donc ce que je vais pouvoir faire ici sur la image pool, c'est mettre donc default. Le boot pool, il va s'appeler boot. Et ensuite Fedora image source, on va pas aller la télécharger directement. Chez Fedora, on a celui-ci qui est hop, dispo voilà, et ensuite moi l'image iOS je l'ai aussi en local et je l'ai ici. Et le libvirtuary, c'est très simple, hop, il est là, hop, sauf que ici on va lui mettre son IP visiblement, voilà, donc là normalement, si je refais un Terraform, genre un apply, un truc comme ça, en théorie, je devrais pas avoir de soucis. Ah, il y a des trucs qui veulent. Ah oui, bah oui, j'ai pas fini, effectivement, j'ai pas fini de modifier. ISP4, on est bon. ISP6, on est bon. ISP4. T'es où ISP5 ? ISP2, ISP3, ISP4, ISP6. Tiens, j'aurais accidentellement fermé l'ISP5. Bon. On va faire ça. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mes variables. Compute 1, 2, 3, 4, 5. Sur lequel, effectivement, j'avais oublié. Je m'étais trompé dans la syntaxe. Et ensuite, on recorrige ça. Voilà. Et si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe si je fais un petit validate par précaution? Ah, j'ai toujours des trucs. Alors. The argument name was already set at ISP compute. What the... Argument ou bloc définition required. Alors. ISP1 compute ligne 24. Alors. Ligne 24. Ah, j'ai un petit G qui traîne. Oh, punaise. Ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Invalid bloc, ligne 33 sur toujours le ISP1 compute. Ligne 33, ressources. Ah, j'ai zappé. Hop. Ensuite,
Attribut redéfini, ligne 34. Ligne 34, oui, bah oui, ça c'est... Ouais, d'accord. Oui, bah après, elle est redéfinie, je pense que ça c'est à cause du... Ok, configuration valide. Allez, on replanifie. Et là, a priori, qu'est-ce qui veut changer? Ce qui est assez cool avec le plan, c'est que ça fait un peu façon diff. Ou presque. Ah d'accord, c'est qu'il veut il veut remplacer parce que j'ai fait default boot. Ah, je l'avais laissé dans le pool default, ok. Donc forcément, il veut re-remplacer, ok. Donc jusque là, tout va bien, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il veut rechanger? Il veut changer... Oui, bah du coup, il veut changer le disque Cloud Init de DVM, en fait. C'est la seule chose qu'il veut faire. Ok. Pour moi, ça nécessite pas forcément un reapply. Enfin, une ré... De toute façon, si je l'applique, ça va rien changer, mais à la limite, pour le principe, hop. De toute façon, ça va pas relancer Cloud Init. Et ça repop pas les VM. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est faire ça et faire un petit git status. Là, j'ai encore pas mal de choses. Ce que je peux commencer par faire, c'est par faire ça. Là, je vais faire un petit fixe. Et on va lui dire, hop, ISP2 DNS1 fix many mistakes Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on va rajouter... Alors, le terraform tfvars, va falloir le mettre dans le point git ignore. Est-ce que je l'avais pas quelque part? Voilà. Si je fais ça... Nickel. Hop. Comme ça, ça c'est bon. Et normalement, si je fais un petit git div global, alors par précaution, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon draw.io. Ah bah oui, voilà pourquoi je l'avais modifié, oui, bah oui, fatalement. Donc on va pas s'embêter, je ferme et git reset mon hard. Non, je fais un git checkout de ça pour essayer de récupérer la version, voilà. Ok, comme ça au moins, pas d'ennui. Maintenant, si je refais un git diff, normalement, il devrait m'afficher juste les trucs. Donc, eh ben, je vais pouvoir dire, au fait, j'ai mis des variables. Et je vais pouvoir virer pas mal de commentaires, en fait. C'est surtout ça. Donc, par exemple, ici, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. À ce niveau-là, on est bon. Il manquerait pas le storage. Si, hein.
Linux.tf. Voilà, il est là. Alors, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Bon, du coup, le pool, bah, de toute façon, c'est local, donc voilà. Hein. Autant avoir un chemin complet local. Donc là, on est bon. Hop, si je reviens ici et que je fais ça, niveau commentaire, est-ce qu'on a rien qui pollue? On n'a rien qui pollue. Ah, volume.tf, il y a encore des sources. Pourquoi il m'affiche encore le dièse source ici? Parce qu'on a le Terraform. Ah mais oui, c'est qu'il me les enlève. Oui, je les enlève. J'avais commité ça. Ah oui, j'avais commité ça. Oui, logique. Oui, oui, c'est normal. Ok. Ok, c'est rouge, fallait l'enlever. C'est juste que je le voyais affiché en vert à ce niveau-là, je me disais... Ok, non, on est bon. On est bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un git add de ça. Commit-a. Et on fait un juste terraform. Hop. To deploy to a remote server. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ce truc-là. Point example. Celui-ci, a priori, c'est pas gênant. En tout cas, les infos qui sont là sont pas gênantes. Voilà. Donc là, je pense qu'on va pouvoir se faire un dernier apply pour ce soir. On va déjà commencer par faire un destroy. Yes. Non, j'ai dit yes. Bon, allez. Voilà, auto-approve, hein, comme ça au moins on est tranquille. Et histoire d'aller tout de suite un peu plus vite... Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un apply. Donc je vais à nouveau recréer toute mon infrastructure. En espérant que ça se passe bien. Alors, remarque, je vais peut-être faire un plan. Ouais, non, je vais faire un apply direct. Hop, tiens, j'ai pas regardé. J'ai loupé un truc. Oui, c'est bon, il a tout shot. Il a tout détruit. Ok, super. Hop là. Allez. On fait un apply. Direct, comme ça. Et là, si ça se gaufre... On va espérer que je le corrige vite. Croisons les doigts. On croise les doigts. On y croit. Le dernier apply du soir. Et si je regarde pendant ce temps côté Marvin, load average pour le moment, que dalle. Lui, il est tranquille. Et température. Eh, on a même baissé un petit peu. Nickel. Brave Marvin. Brave serveur. Et toujours d'habitude, voilà, les deux routeurs. Et on attend encore une minute complète. Voire même un petit peu plus. Est toujours en train de créer les trucs. Ah, pour éviter d'avoir chaud, j'ai pris un serveur chez OVH.
Ouais, mais est-ce que ton serveur est vraiment au frais? Est-ce que ton serveur est vraiment au frais? Est-ce qu'il risque pas d'avoir un coup de chaud? Un coup de chaud qui lui serait fatal. J'avoue, c'est... Ah oui, bah en plus, il est à Strasbourg. Enfin, normalement, ça devrait être bon, ça... C'est bon, il y a plus de soucis maintenant à Strasbourg. Mais bon, c'était un peu facile de troller comme ça sur le serveur OVH. Il a déjà cramé une fois en plus, il était à Strasbourg 2. Ah mince! Ah mince, pas de chance. J'espère que t'avais des backups. Bon, en tout cas que... Ouais, j'espère que t'avais des backups. Moi, je sais que je fais des backups de temps en temps de mes serveurs dédiés, justement. Non, pas de backup, c'était... Ah oui, bah si c'est un serveur de test, ça va, ouais, c'est pas relou. Ça va, c'est pas trop... Ouais. Du coup, vu que là j'ai tout... Pouvoir quitter tout ça. Hop. Te sert de runner GitLab. Ah, pratique, pratique. Oui, donc c'est vrai que oui, un runner GitLab, ça se reconfigure vite. ISP6, router 1, donc on avance bien. Si je reviens ici, ouais, on avance bien. Donc on va pouvoir commencer à regarder ici. Hop. Et show IP PGP summary. Hop. Voilà. Show IP route. Ok. Il y a déjà le réseau en 10.2 qui arrive via son copain là. Ça, c'est cool. On va aller regarder ISP3 router 1. Ah, il est encore en train de popper. Et le code est sur le GitLab. Ouais, donc j'im... Alors, c'est un GitLab auto-hébergé ou c'est GitLab.com? Hop, celui-ci, je suppose que... Ah, c'est GitLab.com. D'accord. Oui, bah comme ça au moins tu t'embêtes pas avec... comment dire? Tu t'embêtes pas avec toute la complexité d'avoir un serveur GitLab, comment dire, à gérer toi-même. Et par contre, tu as la flexibilité du runner où tu peux, comment dire, le code est appliqué et compilé sur ta propre machine. Ça a l'air plutôt bon signe. Hop là. T'as déjà une instance GitLab à gérer au boulot. Oui, c'est du boulot, une instance GitLab à gérer. Hop. Hey, il m'a rien dit. Status. Cloud-final. Ouais, lui, c'est bon, il a démarré comme il faut. Lui, il en est où? Lui, il a encore le Network Manager. Ah, il y a juste le Network Manager. Donc, a priori, soit Cloud Init n'a pas fini. Si je suis rpm-q, genre iftop. Iftop n'est pas encore installé. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fini. Ouais, parce qu'il est en train de... Il est en train de s'occuper de la partie repo. Ok. Là, voilà. Il me l'affiche en... Donc là, on est plutôt... C'est plutôt bon signe, je pense. Alors, hop, voilà, il installe tout proprement, nickel, génial.
Oh, c'est chouette. Voilà, là, il a fini son... Donc là, si je fais... Ça, c'est installé. Et si je fais un sudo systemctl status cloud-final... Ouais, success. Success, ouais. Alors, tu es content, tu as formé ton dev à SSH aujourd'hui? Ah bah, SSH, c'est indispensable, effectivement. C'est chouette. Et on va vérifier, tiens, le ISP4VPS1. Ah, et il a pas fini. Il a faim, il avait 4 ou 5 clés pour les serveurs et l'accès au GitLab. Bah c'est quoi là? C'est chouette, c'est cool. 4 ou 5 clés? Ouais, à la limite, selon les usages, oui, je comprends. Bien, c'est plutôt pas mal là. Hein. On... Ah, zut, je l'ai... Ah, punaise. Hop, bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça ici. Ok. Non, c'est moins Q. Ouais, cool. Et LSOF. Ouais, super. Et ifstop. Et ifstop aussi. Génial. Alors, une clé par serveur et un pour le GitLab. Je suis parano et j'ai des teints. pas de soucis, Manon. Mieux vaut trop que pas assez. Hein. Ok, bah c'est plutôt cool. Notre dernier apply Terraform du soir, il est plutôt réussi, c'est chouette. On n'a rien de... Alors, je vais mettre ça là ailleurs pour le moment. On a tout ce qu'il nous faut. Plus rien à committer. Donc ça, c'est cool. Je commence à prendre les bonnes habitudes. Voilà. Tous les jeudis soirs, séance de commit. Hein. Voilà. On a une belle ribambelle de commit pour le moment. Mais ce qui est chouette, c'est que maintenant, là, avec les modifs qui ont été faites ce soir... Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait très plaisir. Vous, à la maison, je vais remettre ça là. Vous, à la maison, vous pouvez réutiliser mon code. Et ça, c'est chouette. Ça me fait super plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait de la page? Hop, GitHub, la base code, nouvelle fenêtre. Ouais, hop, voilà. Si on revient là. Vous pouvez git clone ce truc, installer Terraform faire une copie de l'exemple dans le répertoire Terraform du fichier tfvar d'exemple voire même, peut-être même pas besoin normalement avec les variables par défaut, ça devrait être fonctionnel. Hein. Ouais. En gros, si vous avez une machine, alors la seule variable qu'il faudra peut-être modifier, c'est celle-ci, si votre machine, votre hyperviseur n'est pas local. Mais à partir du moment où vous avez une machine sous Linux et que vous installez Terraform dessus, vous faites git clone, vous allez dans le répertoire Terraform, Terraform init, Terraform apply, et c'est bon, roulez jeunesse. Vous avez toute la plateforme qui se déploie. Et vous n'avez plus qu'à vous connecter sur les routeurs, sur les VPS. Les routeurs, bah, VIOS, et les VPS, NILS, Password. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée pour la suite de variabiliser cette partie-là et de mettre dans les Cloud Init, dire je peux spécifier un utilisateur et un mot de passe. Et voire même, et je pense que là, ce sera pas mal, justement par rapport à mon histoire de clés SSH qui se trouve tiens, ça on n'a pas vérifié, tiens, que la partie SSH fonctionnait toujours. Si je vais sur hop ISP1 VPS1 hop, si je fais SSH 10.2.0.53
Ouais, ça passe. Tiens, pourquoi lui, il a... Hop. Qu'est-ce qu'il a eu comme souci? Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Il y a eu un petit warning. Unable to access. Could not resolve github.com. Ah. Ah. Il a peut-être popé trop vite. Bon. C'est pas dramatique. On pourra toujours peut-être lui le mettre sur d'autres DNS. Par précaution. Remarque, ce sera compliqué. Non, on va peut-être faire attention. Remarque, il a installé tout là. Ouais, bon. On verra ça une prochaine fois. Puisqu'il est déjà 22h02. Bien, et ben hop, c'est le moment de conclure cette vidéo. Où voilà, donc normalement, globalement, voilà, à un petit détail près, vous pouvez maintenant cloner directement ce repo. Le truc qui m'embêtait le plus, c'était vraiment la mise à disposition de l'image disque pour CloudInit. Enfin, pas CloudInit, pour VaiOS, mais ça c'est fait. Faudra vraiment que je fasse un stream à l'occasion pour montrer comment la faire. Parce que je pense que ça peut être super utile. Toujours est-il que... j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très content de faire, de faire cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir vraiment avancé. Et bah, il est temps pour moi de conclure. Pardon, je suis un peu à la ramasse ce soir. Hein. je crois que le rhume a atteint le cerveau. Bien. Donc, si vous voulez continuer avec moi cette aventure du Lab as Code, c'est tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Si jamais vous voulez voir, si vous avez loupé la semaine d'avant, il n'y a pas de souci, il y a les replays sur Twitch, et un jour peut-être sur YouTube. Ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver normalement dans les liens en dessous. Et je stream aussi les dimanches de 18h à 20h, où en ce moment on fait jouer avec des conteneurs. Dimanche dernier, je me suis battu pendant 2 heures avec Kubernetes. Pour l'instant, c'est Kubernetes qui a gagné, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Entre les streams, vous pouvez donc retrouver des anciens streams sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et sur le chat Discord, le serveur Discord, pardon. Tout est indiqué là-dessous. Vous pouvez aussi retrouver divers autres codes que j'ai pu faire lors de stream sur ma page GitHub, github.com/ahp_nils. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, mais comme c'est devenu un peu la tradition, et puisque Rancune persiste à streamer les mêmes soirs que moi, bah on va aller le raider, hein ? Allez, hop. On est encore quelques-uns là, on est dans le coin, on est encore 6. Allez, on va aller faire un petit coucou à Rancune. Je l'ai déjà averti hein, avant même de commencer mon stream. Je lui ai dit, attends-toi, hein, raid ce soir. Donc. Moi, je vais vous dire bonne fin de soirée. Je vais faire quelques petits passages, quelques minutes chez Rancune avec vous. Et après, j'irai faire dodo. Hop, allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, peut-être à dimanche, et à jeudi prochain sinon. Ciao, ciao. Et c'est parti, allez, je lance la fin et je lance le raid. Allez, ciao !